Bonjour, bienvenue sur Argus.fr. Voici le C-Drive concept réalisé en partenariat entre Peugeot et Beneteau, permettant de mettre le concept du iCockpit à l'intérieur des bateaux. On a vu tout à l'heure le ship control qui existe déjà dans les grosses unités du groupe Beneteau. Et bien, l'idée, c'est de profiter du savoir-faire de Peugeot en matière d'ergonomie, en matière d'utilisation du iCockpit. On retrouve ici tous les ingrédients du iCockpit, à savoir le petit volant, qui c'est étonnant, c'est parce qu'ici il a d'ailleurs non pas un lion Peugeot, mais l'hippocampe qui est le logo de Beneteau. On a devant une tablette tactile qui fait office d'affichage des tautes, elle est également amovible. On a devant le pilote le grand écran du ship control, tous les toggle switch qui sont en bas, partie gauche pour tout ce qui est confort, partie droite pour tout ce qui est la gestion du moteur, et puis sur le côté, la gestion des gaz et tout ce qui concerne le pilotage, bien à portée de main. Pour ce qui est du siège, on a là quelque chose qui est inspiré de l'univers automobile, avec un siège qui permet aussi de conduire et de piloter de manière à moitié debout. On voit ici, on a relevé la position, ce qui permet d'avoir une position semi-assise. On va le rebaisser, comme ceci. Ça permet d'avoir une position beaucoup plus confortable et en cas de gîte, en cas de vague, d'avoir quelque chose de bien intégré. L'idée, c'est aussi d'avoir l'univers des canaux automobiles. On le voit ici avec des bossages derrière qui évoquent certains roadsters, certains véhicules d'antan. On a du bois, on a quelque chose d'assez élégant. Donc nous, on espère que cette incursion dans l'univers du nautisme vous a intéressé. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'argus.fr. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. À bientôt.